Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comme ça, moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de FF8. Si léger souci, configuration, manette, analogique plus vibration, s'il te plaît, c'est possible. Ah voilà. Putain mais. Ok, mes touches sont dans le mauvais sens. C'est pas bon ça. Ok, ça commence bien hein. Donc Joy, hop. Tac, 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 je suppose. Et ça donne quoi? Mais qu'est-ce qui se passe avec mes touches? Vraiment? Ok, il y a un léger souci dans la configuration de mes touches. Je ne sais pas ce qui se passe. Axis 1, axis 1. Ah, voilà, peut-être. Ça rendra mieux. Alors, attends. Up, left, down, right. Je sais pas ce qui s'est passé, attends voir. Ah bah oui, tout de suite. Hein. Salut Keshira, salut Yuya, oui la dernière fois on était en route pour la forêt de Team. Voilà. Salut. Chef de gare, jusqu'ici tous les sites que j'ai vu partir sont revenus sains et saufs. Alors ne vous inquiétez pas, bon voyage à vous. Cool. On y va comment? Ah, je suppose comme ça. Ok, on a une petite musique tranquille, c'est sympa. Salut. Attention, le train va bientôt partir. Veuillez rejoindre vos compartiments. Oui, il partira pas tant que je serai pas dans le train. C'est scripté, tout ça. Je peux rester ici à faire des ronds et à tenter de pincer le cul de Selfie. Pendant des heures, Selfie revient ici. Je veux te pincer le cul. Selfie. Ah oui. Ah oui, ton joli petit cul en robe jaune, là, vas-y. Allez, Charal. On y va. On va se calmer. Apparemment, oui, j'ai le ticket, Yuya. D'ailleurs, ça me rappelle, je peux refaire un truc maintenant que je voulais refaire depuis un moment, donc juste une petite pause là. Je coupe à peu près comme ça, voilà. Et du coup, capture de fenêtre 2, on va mettre... Alors attends, faut que je sépare le chat. Ça faisait un moment que je voulais refaire ça, au moins pour les vidéos sur émulateur. Oui, je m'en suis remis de ce live pas prévu, merci Keshira. C'était pas à peine de me le rappeler. C'était traumatisant tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. Non, ça c'était la vidéo YouTube que je regardais. Bah, il est où? Oui, bah, ça c'est le tableau de bord des diffusions en direct. Merci beaucoup, YouTube. C'est gentil. Attends, annuler, on recommence. Ah voilà, j'ai trouvé. Ah voilà, longtemps que ça ne faisait plus ça. Les commentaires en même temps que la vidéo. Tu viens maintenant. Voilà, ça me manquait un peu, hein, je veux dire, c'était le cas sur FF9. Ce jeu reste très joli quand même, hein, faut dire. Ils ont quand même fait un train qui passe sous la mer. On aurait pu le repasser au-dessus de la mer, mais non. Arrête, il y a Dada qui est... Ce train est vraiment classe. Vous ne voyez rien, il n'y a pas du tout ma mère en train de passer derrière. Ça n'arrive pas du tout. Je suis désolée, mais... Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Je vous le fais à la façon de Jedi, même si j'ai jamais vu Star Wars. Vous ne voyez rien. Voilà, vous avez rien vu. Je suis désolée, je dois aller chercher un âge pour... Un express transcontinental. Pour accéder à Timber, il passe par un tunnel sous-marin. Je trouve ça génial, là. Et moi, je trouve que j'en ai rien à foutre. Incroyable. J'imagine que c'est le ton qu'il utilise. Salut, Alilou. Ça ne t'intéresse pas, hein? Pas du tout. Nasband, utilise des tickets pour accéder au compartiment. Ok. Ouais, je me suis mis la main sur la hanche et apparemment ça utilise un ticket. Ah non, vous voulez aller voir? Vérification ticket, accès autorisé. Je vais voir les autres wagons. Ouah, merci. Y a pas de quoi, j'ai juste ouvert une porte, mais... Allez, Nasband, on va visiter. Ok. Salut, Nianvaln. Sauver dans le menu. Non, c'est vrai. Je le sais pas après tout ce temps.
Il y a YouTube qui a retiré les comptes plus utilisés. Oui, c'est vrai. J'avais remarqué. Je l'ai compris après, en fait. Donc, du coup, associé, GF, Selfie, Zell, Quistis. Bon, bah, la GTX Titan, on peut la retirer à Quistis, hein, vu qu'elle en a plus besoin, là. Voilà. Puis, on va la mettre à... À Selfie. Allez, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, on va regarder les capacités des GeForce. Voilà. Qu'est-ce qu'ils apprennent actuellement? Invoke plus 10%, non, ça va pas la tête ou quoi? On va mettre associé magie à HP. Turbo, on s'en fout finalement. On va mettre associé magie à vigueur. Ouais, on va faire tout ce qui est utile pour les persos. Hein. Non, on va faire HP de nouveau parce qu'on y était presque après tout. Ah voilà. Non, c'est bon. Salut Sophie. Et on va mettre défense mentale à x2, je sais pas. Magie plus 1%, tiens. Voilà, allez hop. Salut Renard. J'ai déjà fait le jeu, il me semble qu'il y a une cinématique à cet endroit-là. Mais... Trop cool, alors c'est le compartiment privé du CID. Impressionnant. Dieu sait, c'est top. Qu'est-ce que tu veux regarder là, Selfie? On est sous l'océan. J'adore voyager. Génial. Le petit train... Qui m'emmène chaque matin... Loin des chagrins... Dans mon vagin. Oui, j'ai ajouté la dernière partie, je crois. C'est trop cool ici. C'est vrai que c'est pas mal. Content que tu sois heureux. Il y a même des journaux ici. Vous recevez l'ami des bêtes volume 1. Super. Faire partie du site, ça a ses avantages, hein. Un voyage en première classe. Dis Nasband, tu connais Timber? Ça m'intéresse pas trop. Oh Nasband! Sois pas si bourru, c'est intéressant. N'insiste pas! J'ai envie de partager mon savoir, mais tais-toi donc! Je ne me sens pas très bien. Là, je crois pas que le train soit sous l'océan. Bah si, on l'a vu clairement partir sous l'océan. Repose-toi si tu es fatigué. J'ai vraiment sommeil. Ça va? Qu'est-ce que j'ai? Ça ne va pas? Moi aussi je me sens bizarre, tout d'un coup j'ai sommeil. Oui, il a sommeil, c'est pour ça qu'il s'est relevé pour s'endormir. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête! Ah! Mon dieu! Qu'est-ce que... C'est le son de The Evil Within! Je vais me retrouver dans un monde avec du gore et pas de l'horreur! Elle a des jambes de 3 km de long. Oui, je crois que c'est son avantage, la Selfie, hein. Merde, j'ai un bouton à côté du nez. Chier. Waouh. Belle tête de vainqueur. Tu es sûr que c'est la bonne direction? C'est quoi ce délire? Je sais pas. Ok. J'avais oublié ça, hein. Super, je me retrouve en boîte de nuit. Ah bah vous êtes chaud ce soir, tout de suite un nouveau titre de DJ Gogo. Ouais, tous ensemble. C'est quoi cette musique de boîte de nuit là? C'est quoi ces monstres qui me pètent la gueule là? Oh putain. Il va pas de main morte lui. Mais ne spoil pas Sophie, s'il te plaît. Inutile de le rendormir, elle est déjà endormie. J'ai
J'arrive vraiment pas à faire l'attaque avec R1 là. Putain, mais c'est quoi ces monstres qui mettent 10 ans à mourir? Bon appui. Sérieux? Y a pas quelqu'un qui veut attaquer Laguna là? Ah bah salut Keldar, je t'avais pas vu. Bon lui il est mort comme une merde. Non, j'essaye de faire R1 là, mais ça marche pas. J'espère que ce qu'ils se prennent dans la gueule eux, ça n'influe pas sur les HP de mes persos principaux. Putain, mais c'est quoi cette arme qu'il a là? C'est complètement bourrin. Ah bah tiens, il se réveille l'autre, c'est gentil. Ah ouais, lui il va à l'arme à feu, carrément. Ah non, je suis désolé Keldar, je t'avais vraiment pas vu, hein. Bon, alors du coup, visiblement, nos héros sont piégés dans les corps de ces trois glandules. Du coup, je vais regarder, c'est qui Selfie dans les trois? Hein? Alors, c'est pas Kyros. Bonne nuit. Et Selfie, c'est le gros. Ok. Où suis-je? Et voilà, ça recommence. Je rêve. Qui va voler? Kyros. Allez, c'est Selfie visiblement. N'empêche, j'aurais pas foutu Selfie dans le corps du gros mec avec une lance, hein. Sérieux. Putain, mais le rire de ce machin, quoi. Je vais vous péter la gueule, ça me fait plaisir. J'ai toujours adoré le principe du combat tour par tour parce que ça serait tellement pas possible en vrai, genre d'attaquer chacun son tour. En fait, je spam la touche R1 de ma manette en espérant que ça marche, mais non. Selfie, c'est Ward le gros. Putain, Selfie, elle a pas eu de bol hein, dans cette espèce de d'hallucination là. Et il se marre même quand il meurt, c'est bien. Salut à la Izar. Le chat qui fait le con, super. Du coup. Allez, allez, on y va, pas de monstre, on peut y aller. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, plein de points d'interrogation, c'est cool, je vais pas tous vous les lire, hein. Cette musique! Et ce soir, c'est DJ Tiesta qui va avec sa bonne petite musique. Le remix de Daru de Sandstorm. Non mais c'est même pas une musique de boîte de nuit là, c'est la musique que t'entends sur les campings, tu sais. Ah, en même temps c'était ça hein, Sophie, à force de se prendre en photo. Ça va arriver. Mais oui, j'ai décidé que je combattais les monstres là. Rien à foutre. Faut bien que mes G-Force elles montent en niveau. Putain, par contre le truc morphé là, c'est chiant quoi. Ça marche à tous les coups. Salut Infinite Dran. Ça va bien, merci. Bah ce serait tolérable sans tous les combats en fait, Sophie. Non, j'ai beau spammer R1, ça change rien. Attends. Je vais mettre le mode turbo sur ma touche R1. Ah bah voilà, avec le turbo sur la touche R1, ça marche à tous les coups. Voilà, tu veux bien te réveiller, s'il te plaît, Laguna? Ah bah non, il dort toujours, hein. Il s'est fait cramer la gueule, mais il dort. Là, je spam ma touche R1. Attention, ça a marché. Non, même pas. Ça marche vraiment qu'une fois sur 1000, hein. On va voir si ça remarche. Ah oui. Mais ça marche pas avec Ward, en fait.
Ward n'a pas cette capacité, par contre Kiro s'y peut. Intéressant. Zeller a arrêté d'attaquer l'endormi de service, là qui arrive à s'endormir en plein milieu du combat, ce qui me fait bien triper d'ailleurs quand j'ai réfléchi. Parce que là rien que le bruit des combats ça devrait le réveiller. Moi ce qui me dérange c'est cette barre ATB qui s'arrête dès qu'il y a quelqu'un qui attaque. Ça, ça me saoule un peu. En tout cas mettre un turbo sur la touche R1 de sa manette ça marche. Hein. Ça fait des dégâts critiques à chaque fois. Eh, on est censé combattre l'armée de Timber, non? Oui, c'est vrai, pourquoi on perd notre temps avec ces bestioles? Eh bien, c'est juste que... Me dis pas qu'on est encore perdu. De toute façon, on rentre Deli... On rentre. Deling City, nous voici. Laguna, attends. J'aime le type qui arrête pas d'aller chercher sa lance. Dites tes os, à 20€, c'est une bonne affaire. C'est une putain de bonne affaire, prends-le. Vraiment. Eh, bah allez, Ward, tu vas voler ça. Ça te fait plaisir. Bah tiens, on a retrouvé le camion, mais d'abord on va se taper un petit combat sur fond de musique disco. Ça fait plaisir. C'est qui a composé cette musique? C'est pas Nobuo Uematsu quand même, dites-moi. Je dis pas qu'elle est mauvaise. C'est une très bonne musique. Hein. Mais disons que c'est un peu hors sujet comme musique de combat, j'ai envie de dire. Ah ouais, bon bah tant que tu fais pas morpher, je m'en branle là. C'est le vieux qui scrolle avec sa souris en ligne. C'est ça, Tezo Nianvaln. C'est le vieux qui utilise sa molette de souris. Mais en ligne. Il le fait pas en ligne. Faut qu'il soit connecté à internet. Ça y est, on y est? On est passé à travers les textures du camion, mais tout va bien. C'est moi qui conduis? Super, qu'est-ce qu'on dit bien? Eh, on peut pas rester au milieu de la route. T'inquiète pas. Très bien, je vous paye un coup, les gars. En fait, nous, on dit pas non à un petit alcool de prune. Ouais, allons picoler, la guerre attendra. Kiro, Sword, vous vous trompez. Je cherche uniquement à renforcer nos liens via une cordiale collation. Et bien sûr. Ça va, on dérange pas trop? Non? Et lui, là, il s'en fout? Monsieur? On marche au milieu de la route, hein, parce que bon... Il faut absolument que j'aille me doucher après cette vidéo. Parce que ça se voit pas à la vidéo, mais je suis là. Hein. Si, je crois que ça se voit. Ouais, je crois que ça se voit que j'ai les épaules trempes là. Émoticône à la con online de son petit nom. Ça passe, ça a commencé depuis 19 minutes, petite citrouille. Allez. Hop. C'est fermé? Je peux pas passer? Ah si. Ok. Utiliser échelle, monter, descendre, annuler. Monter. Oui mais tu veux pas le faire tout. Regarde, tu peux les bloquer dans leur anime. Voilà. FF8. Meilleur jeu du monde. Salut Claradag. Vraiment. Ah puis tu peux les faire bugger hein, comme ça, regarde. Attends, je vais recommencer. Monter. Hop, hop, hop. Ah oui, il a carrément... Alors lui, il s'est arrêté avec une jambe en l'air, c'est pas mal. L'autre, il a sa tête dans mon cul. Ça va, je te dérange pas? Voilà. J'adore m'amuser avec les animations de ce jeu, hein, vraiment. Et tout le monde se fout la tête dans le cul en montant les échelles, hein, ça... Oh, je verrai, Sophie, je vais le faire comme je le sens, en fait, le jeu.
Là, je visite un peu, j'explore. Je veux dire, c'est un FF où on peut visiter et explorer, contrairement au 13, donc... Qu'est-ce qu'il y a, là? Y a rien. Y a rien ici, pourquoi je suis venu là? Y a rien. Et ouais, Infinite Drain, une fois que t'as fait toutes les positions, faut en inventer des nouvelles, là. C'est un peu casse-gueule, je te dirais, hein, mais bon. Ah, on se rend plus la tête dans le cul? Bon, on va descendre, du coup. Ça va, il y a Selfie qui rentre son cul dans la tête de... Ah bah tiens, bah c'est par là visiblement, il y a un point de sauvegarde. Parce que bien évidemment, pour aller boire un coup, il faut passer par les égouts. Comme dans tout jeu vidéo, hein, évidemment. Bah je verrai si je la trouve, hein, en fait, Sophie. Mais là, je crois que je suis sur le bon chemin pour aller à l'hôtel. Mais putain, mais... Ah, c'est par là. D'accord, je vais pas me tenir trop près des murs, ça fait péter un plomb perso, visiblement. J'ai peur que le jeu crache quand il me fait ce genre de choses. Ok. D'accord, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je suis dans les égouts? Vraiment. Ah bah, visiblement, c'est pas par là. Je vois rien avec vos gros culs, là, bougez! Allez, un petit coup de bug d'animation. Regarde-moi ça. Il a les deux pieds en l'air, là. Hein. Ward, il a les deux pieds en l'air. C'est bon. La gravité, il en a fait sa petite pute. Hein. La gravité, elle lui obéit, elle lui est soumise. Hein. Mais que font les féministes? Quand même. La gravité se fait violer, là. Y'a rien ici, très bien, ça servait à rien. Génial. J'adore les lieux qui servent à rien comme ça dans les jeux vidéo, c'est toujours génial. Bon, au moins on se fait pas attaquer dans la ville. Ça aurait été marrant, tiens, qu'ils nous foutent des combats de monstres en pleine ville. La route vers le nord, il y a l'hôtel, bah excuse-moi, mais le nord c'est en haut, hein. Ok, on va aller par là. On serait plutôt vers la route vers l'est. Putain, mais les suspensions de ces bagnoles, j'aimerais pas être dedans, quoi. Tu dois tellement dégobiller. Salut, Mehdi. Calbadia Hotel. Allons-y. Voilà, exactement, c'est ça, Nyanval. Dans le menu, choisissez sauver, tu veux bien arrêter avec ce message? Je veux dire, quand t'es arrivé aussi loin dans le jeu, après 5 heures de jeu, je crois que tu sais sauvegarder. Hein, c'est... Salut. Bienvenue, veuillez passer à la réception, s'il vous plaît. Tu sers à quoi, alors? Bienvenue à toi, étranger. Sans réservation, paye d'avance, pays sans Gilles. Merci beaucoup, bon séjour. Super, j'ai trouvé l'hôtel, et maintenant quoi? Vous regardez de manière langoureuse. On a même pas eu une petite musique genre pi du 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 quand tu t'endors. Ok, j'ai trouvé l'hôtel, Sophie, ça m'a pas avancé à grand chose. Hein. Merci beaucoup, j'espère vous revoir très bientôt. Ah, voilà. Fallait juste descendre. Bon, bah, en même temps, j'ai repris des HP comme ça. Ok, il y a une demoiselle là qui a l'air fort jolie. Bienvenue, votre table habituelle est prête. Je vais d'abord me balader. Très bien, j'arrive. Quoi, pardon? Quoi? Qu'est-ce qui va pas? J'en sais rien. On va s'en jeter quelques-uns. Merci. Je rêve ou quoi? Laguna est pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous pouvez avoir encore plus des balais dans le cul, s'il vous plaît, hein? Là, je trouve que vous n'êtes pas assez rigide. Repos, messieurs. Le canapé est pas assez grand, vous êtes obligé de vous coller comme ça.
On va faire la fête ce soir, hein. Qu'est-ce que ce sera, messieurs? Alors écoute, j'adore ce FF pour une chose, parce qu'il est un petit peu plus dans l'ère moderne, donc on trouve des filles en mini-jupe. Et les mini-jupes, c'est le bien, hein. Oui, Laguna, ouais. Bon, on a déjà selfie, hein, donc voilà. Hein. Non, les mini-jupes, c'est le bien. Hein. Et attention, je parle des mini-jupes pas trop courtes. Hein. Les mini-jupes à la fouf, non, ça c'est pute. Hein. Et oui, je suis désolé, mesdames les féministes. Je vais pas montrer ma bite avec des shorts ultra courts pour que mes couilles, elles dépassent. Hein. Ah voilà, hein, mini-jupes à la fouf, c'est pute. Hein. Mais les mini-jupes tout court, c'est sympa, j'aime bien. Hein. Comme d'habitude, la même chose. Et un peu plus pour moi. Super. J'espère pour elle que c'était pas une nouvelle serveuse. Bon, Laguna, cette Julia, elle arrive bientôt ou quoi? Elle est là, visiblement. Tu vas te jeter à l'eau ce soir? Ouais, vas-y, mon grand. Ah, tu sais, je ressemble tellement à une gonzesse avec mes cheveux, hein. Je suis pas sûr qu'elle veuille de moi. Salut, Linard. Arrêtez un peu, les gars, vous voyez pas qu'elle travaille. Rappelle-toi ta promesse, fais-lui signe, allez. Lâchez-moi un peu. Allez, va, on sait bien que tu le feras. Ben, je vais me rasseoir, ouais. Voilà. Je vais plutôt aller parler à ces gars-là. Soldat, ne me dérange pas dans ce moment de béatitude. Nous avons la chance d'écouter le récital de Julia ce soir. Cette nuit restera jamais gravée dans nos mémoires. Vous avez pas internet dans votre monde? Salut, je viens de faire chier. Non, visiblement pas, parce que mon perso est une tafiole. Non, oh, ça a l'air d'être une jolie fille, cette Julia. Ah, Julia est virginale ce soir. Il délire ou quoi? Virginale? Et en plus, le pire, c'est que j'ai lu vaginal. Non, merci, Dinard, je vais éviter. Oui. Aïe, j'ai une crampe. Ça fait mal. Abruti. Vas-y, chie-toi dessus devant elle, ça va faire du bien. Non mais... Est-ce que c'est possible d'être plus pathétique que ça? Je veux dire, j'ai jamais su parler aux filles, mais... À ce point-là... Quand même pas. Hein. C'est pitoyable. Putain, mais je suis tellement d'accord avec, Nasband, là. Vraiment, hein, avec moi-même, je suis d'accord avec moi-même. Oui, le perso s'appelle Nasband. Mais je suis tellement d'accord. Allez, vas-y. Et des couilles un peu. Salut, Alaï. Enfin, re-salut, Alaï. Mais putain, mais tu... Ok. Va lui parler, bordel de chiasse. Impossible, je ne peux pas déranger Julia. Vas-y, bon. Voilà, hein, je veux dire, j'ai foutu le turbo sur mon bouton croix, là, hein. Naz Laguna est très pathétique, non, effectivement, hein. Enfin, pas pratique d'avoir une crampe à chaque fois qu'on parle à Yana, enfin, quoi que la queue est un muscle, non. Oh mon dieu. Bien joué, Laguna. Mission accomplie, ouais. Tiens, assieds-toi. Mission accomplie, t'as eu l'air con comme chaque soir où t'as essayé de lui parler. Je croyais pas que tu y arriverais. De quoi? Avoir l'air débile? Sauf que tu n'as pas fait très bonne figure, c'était pas trop l'image du mal dominant, hein. Ça... Chacun son avis. Et le bip que vous avez entendu avant que vous envahissiez les commentaires, c'était ma montre. Hein. Ma montre. D'ailleurs, une montre très pratique parce qu'elle affiche l'heure digitale et les aiguilles en même temps. Ça ne sert à rien. Mais bon, je l'ai payé genre 8 euros. Alors bon, hein. Quel cata. Merveilleuse Julia. Que penses-tu du fétichisme des paix? Je pense que chacun a le droit d'avoir son propre fétiche du moment que ça ne fait mal à personne. Hein. Je veux dire, sachant mon propre fétiche à moi... Je ne juge personne. Et vous feriez bien de faire la même chose. Laguna, on décolle. Ok. Qu'est-ce qui vous prend? Il n'y a pas le feu? C'est pour nous ce soir. Reste un moment tranquille, d'accord? Ah, il y a Julia qui vient la voir. Je suis sûr. Eh ouais. Oh, Julia, tu as l'air si... pixelisé. Encore plus que la dernière fois. Puis-je? Moi j'aime bien les camions, je joue à Euro Truck Simulator 2 et American Truck. Quoique en ce moment j'ai un peu de mal à jouer à Euro Truck et American Truck parce que bah... Ce bureau, il est tout petit, il n'y a pas la place pour mettre mon volant. Triste. Voilà,
Ah! Vas-y, tourne-lui le dos et puis. Non, mais putain, mais tu peux avoir l'air plus pathétique, s'il te plaît! Sinon, tu connais Undertale? Oui, j'ai vraiment pas envie d'y jouer, franchement. Je veux dire, les styles pixelisés comme ça d'habitude, ça me plaît, mais j'ai l'impression que tout le monde fait des caisses avec ce jeu alors qu'il a pas l'air extraordinaire. La Luna enroule, oh mon dieu. Selfie, prends une photo. Est-ce que je dérange? Mais pas du tout! Assieds-toi et pendant que je pète dans mon coin en me vomissant dessus. J'y crois pas, c'est elle. Qu'est-ce que je fais, Kiro, Sward, au secours, j'y crois, bon sang, elle est belle. Ce type est irrécupérable. Totalement. Nasband, c'est con, mais tu as l'air beaucoup plus heureux qu'avant. C'est le cas. C'est le cas parce que déjà j'ai moins chaud. Et comme j'avais dit, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont résolues. Après presque 4 ans de galère, il y a des soucis personnels qui se sont résolus de manière positive dans ma vie. Donc du coup, oui, je suis plus heureux. Tout va bien maintenant? On dirait oui. Comment va ta jambe? Ma jambe? Oh, ça va, ça va. C'est quand je suis nerveux, ça m'arrive parfois. Tu étais nerveux? Ben, un peu, oui. Calme-toi. Près de moi, tu peux te détendre. Non, c'est justement toi qui le rends nerveux. Oui, je suis désolé. Dis-moi, ça te dirait qu'on aille s'isoler? On pourrait discuter dans ma chambre et puis tu vois ce que je veux dire. Dans ta chambre? Bah oui, on va pas faire ça devant tout le monde, espèce de con, va. C'est que c'est pas très facile de discuter librement ici, tout le monde écoute. Ça, à mon avis, Infinite Drain, c'est pas des persos jouables, ça a l'air d'être juste secondaire. Je veux dire, c'est pour faire avancer le scénario. J'ai envie de parler avec toi. Ouais, bah moi j'ai envie d'autre chose avec toi. Tu ne veux pas? Non, je me suis imaginé plein de choses débiles, c'est tout, hein. Mais si, bien sûr! Alors je passe devant, tu me suis, demande ma chambre à la réception, et surtout mate bien mon cul pixelisé pendant que je suis en train de partir. En même temps, les FF sont connus pour avoir des centaines de persos jouables, hein. C'est d'ailleurs une des qualités de la série. Mon dieu, je rêve ou quoi? C'est ça, c'est un rêve. Non, c'est la réalité, c'est trop bizarre pour être un rêve. Julia, elle veut me parler? Il est vraiment trop mou. C'est fou, mais Squall, là, celui que j'ai appelé Nasband, putain, il pense exactement comme moi. Non, Scania, c'est pas bien. Volvo, c'est mieux, hein. Et rien que nous deux. Allez, mène-toi. J'ai toujours trop parlé de moi, ça a toujours été comme ça, mais pas ce soir. Ce soir, j'écouterai Julia. Bon, c'est le moment d'utiliser mon charme masculin pour aider Julia. Ouais. Pas sûr que ce soit du charme, hein. Plutôt courageux pour un simple trophion. Julia par-ci, Julia par-là, tu perds rien pour attendre. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, mais Julia vous a choisi. Pourquoi vous êtes pas moi, hein? Putain, le mec, il a réussi à se bourrer. Tu seras capable d'assurer avec Julia, essayer d'être raffiné pour une fois. Ouais. T'as pensé aux capotes? Oui, c'est tout à fait possible, Infinite Drain. En général, juste avant le dernier boss, t'as des grosses zones, hein, pour te faire les mobs. Et tu peux augmenter facilement le niveau 99. Je l'avais fait sur FF9, hein, augmenter les 8 personnages jouables au niveau 99 avec les meilleures armes. On avait pris du temps, mais en même temps j'adore tellement ce jeu, hein. D'ailleurs j'ai recommencé à y jouer sur la version Steam. Voilà, j'essaie de upper mes persos le moins possible en fait, vu que dans FF8, plus tu up, plus les monstres sont puissants. Pas de problème, la finesse c'est ma spécialité. Oui bien sûr. On parle pas de la même finesse alors, toi t'es plutôt du genre intarissable. Super. Merci les gars pour vos encouragements, ça me fait plaisir. Tu connais Shovel Knight? Oui, ça je connais, et puis c'est vachement bien d'ailleurs. Malheureusement, je le possède pas. Bienvenue, une réservation. La chambre de Julia, s'il vous plaît. Que. Il va vraiment le faire? Ah, monsieur Laguna Loire, je vous attendais. Laissez-moi vous indiquer où se trouve la chambre de madame Julia. Heureusement que les gens sont pas débiles autour de lui, hein, parce que sinon. Merci d'être venu. Oh, ce n'est rien, merci pour l'invitation. Assieds-toi. Je pense que je vais essayer de finir le jeu niveau 30 à peu près. Hein. Voilà, super. On a dit assieds-toi. Regarde-moi ça, elle se marre, elle se fout de ta gueule. Non mais. Arrête d'être débile, s'il te plaît. Julia, j'ai plus tendance à lui parler de mon éléphant de compagnie. Oh mon dieu, la prétention. Oui.
Tu t'en vas déjà, mais on a même pas discuté. Bah, je sais pas, tu veux faire quoi? Non, c'est pas ça. Mais je t'admire depuis toujours, alors ça me rend un peu nerveux. C'est pour ça que tu viens si souvent m'écouter jouer. Tu m'as vu? Bah oui, le mec qui se chiait dessus dans un coin de la pièce pendant que j'étais en train de jouer du piano. Comment le louper? L'odeur, je m'en souviens encore. Tu avais toujours le sourire quand tu me regardais, je me trompe? Et tu te pétais dessus tellement souvent aussi. Ouais, tu pourras me les filer le moment où ça arrive, Linard. Tu as de beaux yeux, même s'ils ont l'air un peu affolés en ce moment. Elle est en train de te draguer, mec. Tu peux arrêter d'être con, même moi qui sais pas parler aux filles, je me doute qu'elle est en train de te draguer. Hein? Le décalage entre le chat et le live est monstrueux. Ah, ça, c'est sur tous les lives, hein. Rassure-toi, je ne vais rien te faire. Juste te parler et t'écouter. Tu veux boire un verre? Du vin, ça ira? Je rêve ou quoi? Ah tiens, le scénario m'est repassé par là, visiblement. Ou alors on a couché ensemble. Bon, j'aime pas trop me battre, mais voyager, voir plein d'endroits et d'autres gens, ça oui. Et puis, c'est sympa d'être toujours avec mes amis, Kiros et Ward. On devrait sortir avec eux, non? Qu'est-ce que tu en penses? De quoi je parlais au fait? Ah oui, je veux quitter l'armée pour devenir journaliste. Comme ça, je pourrais raconter tout ce que je verrai dans mes voyages. T'as pas dit que tu la laisserais parler ce soir? Il s'est un peu détendu. L'autre jour, un de mes articles a été publié au courrier des lecteurs. Plutôt sympa, tu ne trouves pas? Ouais, c'était bien. Tu veux la laisser en placer une? Je suis contente pour toi. Putain, quelle patience elle a, cette nana! Vraiment, et alors? Non mais, bon sang, je monopolise la conversation. Oui, et là, elle est morte d'ennui. Oui? Parle-moi de toi, je sais pas moi, qu'est-ce qui te fait rêver? Le fait de rentrer mes seins dans ta poitrine à cause des pixels qui s'entrechoquent. Voilà ce qui me fait rêver. Je voudrais chanter, pas seulement jouer du piano, mais chanter aussi. Pourquoi tu le fais pas? Oh, j'aimerais entendre ça. Bah non, je chante comme une merde. Non, c'est impossible, j'ai aucune inspiration pour les paroles. C'est vrai, ça doit être dur. Mais grâce à toi, je pense que je vais arriver à quelque chose. Grâce à moi? Oui, l'odeur de tes pets de nervosité m'a tellement inspiré. Je vais composer une chanson sur les pets de Laguna. Et ça fera des gaz d'échappement, parce que Laguna, voiture, tout ça, tout ça. Pendant que Selfie, elle prendra des photos à côté. Ah, putain, mon dieu. Oui, les histoires que tu m'as racontées. Les moments où tu étais blessé ou quand tu avais des soucis, ton sourire, ton visage, tes yeux. Pain ou chocolat, clairement. Julia, j'aimerais que nos pixels rentrent en collision avec passion. Je t'ai... Tu m'as inspiré. Et je vais écrire une chanson sur toi. Si tu pouvais m'expirer d'ailleurs parce que tes poumons sont assez étroits. Incroyable, je dois rêver. Maintenant, on peut coucher ensemble, s'il te plaît? Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Super. Bah bien sûr, il faut que quelqu'un vienne nous faire chier. Désolé, mais on a reçu des ordres. Rendez-vous au palais du président. Eh, bien sûr. Eh, vous avez vu? J'ai un bout de mon nez qui disparaît, là. Les pixels sont pas très bien. Salut, Shiro. On se reverra. Bien sûr, pour t'entendre chanter. Puis aussi éventuellement pour que j'introduise ma bip dans ta bip. Je suis tellement fin et subtil là. Votre attention s'il vous plaît. Prochain arrêt, Timber. Ça y est, on est revenu au scénario. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant. Ben, le mec qui a dit Timber, il s'est pas pris un arbre sur la gueule. Votre attention s'il vous plaît. Prochain arrêt, Timber. Ah, on avait dit, hein. Il fallait pas dire ce nom. Quoi, tout le monde s'est endormi? On va peut-être parler du rêve qu'on a fait. On a peut-être été victime d'un gaz soporifique. Peut-être, oui, il faut être prudent. On m'a volé quelque chose? Quelqu'un est blessé? Non, visiblement pas. Oui, moi aussi je dis petit pain. Mais par contre, je dis pain au chocolat quand il y a du chocolat dedans. Non, je ne pense pas. Tant mieux! Maintenant, je vais prendre une photo pour immortaliser l'instant. Pour moi, tout va bien. J'ai oublié mon téléphone portable, par contre. Ouais, j'ai fait un super rêve. Super. Moi aussi, j'ai rêvé, mais c'était plutôt un cauchemar. Évidemment, ils vont pas en parler tout de suite. J'ai rêvé que j'étais un clown. Nous arrivons en gare de Timber. Nous arrivons en gare de Timber. Veuillez ne rien oublier dans le train. Merci, vous pourriez retirer cet arbre de ma gueule. Ce Laguna était vraiment drôle et sexy.
Hein? Il y avait aussi un Laguna dans mon rêve, c'est un soldat galbadien, non? Laguna, Kiros et Ward. Comment? Bah oui, moi je l'avais déjà déterminé avant eux. Hein. Je vois. Tu vois quoi? Oui, voilà, il a anticipé ma question. Ces trucs paranormaux me font flipper, concentrons-nous sur notre mission. Tu as sans doute raison. Oublions ce rêve étrange, j'en parlerai au proviseur quand on rentrera à la BGU. Je connais pas Homestuck, non? On devrait bientôt y être. Notre première mission. Se prendre des armes sur la gueule. Ne dites surtout pas le nom de la ville. Dans la joie et la bonne humeur. Oui, je sais Sophie, mais j'ai les safe states, donc au pire, c'est pas grave. Hein. Bon alors attends, les questions de l'examen du site, comment j'y réponds? En fait, ça j'ai aucune idée. Donc si vous pouvez me dire le temps que le train il arrive. Ah, il reste joli ce jeu hein. Tu vas dans ton menu, ok. Je peux juste aller dans mon menu avant que vous fassiez des cinématiques et tout. Oui, je peux. Ok. Donc menu, tutoriel, config manette, info combat, action jeu de cartes, test. Voler sert-il à dérober des sorts ennemis? Bah oui. Les G-Force assistent-elles les ennemis? Non. Existe-t-il 8 forces élémentales? Oh putain, j'en ai aucune idée. Je vais attendre la réponse dans les commentaires. Parce que je suis comme ça. Je suis un gros profiteur de merde. Bah oui, file-moi les liens du site, Lina. Ce sera plus simple. Bon, le temps que tu saches que je t'ai dit ça, c'en est cool du temps, hein. Et alors, voyons voir. FFWorld.com, blablabla. Alors, oh putain, mais je sais pas moi. Alors attends, oui, non, oui. Oui, attends. Alors attends. Oui, non, oui. 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 Non. Non. Oui. Non. Non. Vous obtenez 100% de bonne réponse. Test. Oui. Allons-y. Alors, oui. Non. Oui. 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 Non. Oui. Oui. Non, non. Ouais, c'est tellement dur. Mon premier jeu, c'est Super Mario Bros sur Nintendo, la toute première. Ok, bah je vais faire tous les tests pour avoir plein de thunes, hein. Donc, alors, non. Merde, attends. Alors. Non, non, oui, non, oui, 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 non, oui, non. Ouais. On va finir là-dessus, hein, je pense. Alors le 4. Non, oui, 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 non, non, oui, oui, non, non. Je juste doute de rien, tu sais. Hein. Oh, l'Amiga, c'était le PC que je voulais toujours, enfin l'ordinateur que j'aurais toujours voulu quand j'étais gosse, mais il coûtait une blinde. Oui, alors niveau 5. Non, 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 oui, oui, non, non, oui, oui, oui. Ah, c'est tellement dur. Je vais me faire plein de thunes avec ça. Hein. Merci Linard, hein, franchement. Oui, non, oui, oui, non, non, oui, non, oui. Niveau 7. Oui,
Alors attends. Niveau 7. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, oui, oui. Non. Nintendo sur Nintendo. Oh mon dieu, Keshira, t'as pas eu le meilleur hein, pour le début. Merde. Les Galbaniens n'utilisent pas de magie, attends. Non, oui, non, non, oui, oui, non, non, oui, non. C'est bien de voir un streamer qui répond à ses commentaires. Bah excuse, ça défile tellement pas vite mes commentaires, j'ai le temps d'y répondre. Hein. Et puis en même temps, vu ce que je fais là actuellement, alors là j'attends, j'en étais à niveau 9. Non, oui, non, 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 oui, oui. Allez, à plus, Infinite Drain. De toute façon, la fin du live, là, ça va être juste ça. Hein. Alors, 10, oui, non, 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 oui, non. Et pour ceux qui utiliseraient ça pour se faire la soluce pour les tests du CID, vous pouvez refaire la même, hein, parce qu'apparemment, c'est toujours les mêmes. Le niveau 11. Oui, oui, non, oui, oui, non, oui, non, non, oui. Nasband est au niveau 11, vous ne pouvez rien passer au-dessus de 11. Ah bah super, moi, pour continuer à jouer un peu. En tout cas, ça va me faire du fric tout ça. Hein. Ah, les forêts ont bien changé. Mais il y a encore plein de mini-bugs, mais ça pullule de chocobo. Mais les hiboux sont encore là. Bienvenue à Timber. Bienvenue à Timber. Suivez-moi s'il vous plaît, putain ça fait mal. Fin du live, tu passes ton bac avec mention excellente, Google est ton meilleur ami. Oh putain. Non, Linar est mon meilleur ami, c'est lui qui m'a donné les solus. Bonjour madame. Bien le bonjour, vous aimez congé annuel, mais c'est quoi ça? Mon chien là-dedans. Ils auraient pu me prévenir quand j'ai déposé pour un toilettage. Quoi? Mais c'est... What? Ils ont laissé le chien dedans alors qu'ils sont en congé pour l'année. Le chien va mourir de faim, de soif et baigner dans ses propres excréments. Mais c'est pas professionnel ça, ce magasin il va fermer, hein, je te le dis. Excusez-moi, c'est par là. J'aime bien la musique de Timber, c'est sympa. Ok, on reprend un train. Enfin, un seul wagon d'ailleurs. Buter le proprio de ce magasin, mais clairement. Tu laisses ton chien pour un toilettage, tu reviens, on a laissé le chien dedans, et puis les proprios se sont barrés quoi, pour rentrer en congé. T'attends au moins que le mec vienne recharger son chien. Faites partie du CID. Je suis Nasband, le chef du groupe. Faites pas gaffe à mon nom, mes parents m'aimaient pas. Voici Zelle et Selfie qui sort jamais sans son téléphone. Et Zelle, bah il fait souvent des excès de Zelle. Haha, lol. Content de vous voir, je suis le chef des hiboux de la forêt. Ouais, avec un nom pareil, je t'aurais pas serré la main non plus. Hein. Tu penses faire des streams sur Twitch? Pourquoi faire, Alae? Franchement, sur YouTube, j'ai déjà tous mes abonnés. Sur Twitch, j'ai personne. Hein, puis Twitch diffuse beaucoup, beaucoup trop de pubs. Hein. Ok, que doit-on faire maintenant? Attends, je vais d'abord te présenter les autres résistantes, mais je m'en branle. Il y a Watts que tu connais déjà, super. Lui, il diffuse beaucoup de sons, hein, il fait péter les Watts, voilà. Et puis une autre princesse. C'est l'heure de sa sieste. Depuis quand les résistants font la sieste? Ah, j'ai mal. Super. Et puis, il y a Selfie, là, qui a décidé de très clairement regarder la porte de près, parce que la fenêtre, elle est là. Selfie regarde là. Hein. Donc Selfie, globalement, elle est comme ça. Ce qui est un comportement normal, avouons-le, hein. Excuse-moi, Nasband, mais pourras-tu aller chercher notre princesse? Elle est dans la dernière pièce à étage. D'autres combattants sont aussi là-haut. Demande-leur de l'aide si tu es perdu, ok? Ah, les héros de jeux vidéo qui font tout sale boulot de tout le monde, quoi. Réveiller une vieille princesse, tu parles d'une mission. Je te parie que la princesse, c'est la fille avec, avec qui on a dansé dans le... Ah putain, dans la cinématique du début là, hein, pendant le bal, quasi sûr que c'est elle. Ah oui, une vieille princesse, super d'une mission, je suis sûr que c'est elle. Quelque chose ne va pas? C'est un jeu vidéo, pas un conte de fées, monsieur Hibou.
Ouah, cette mise en abîme. Genre, il sait qu'il est dans un jeu vidéo. Ne comptez pas sur moi pour faire ça tous les jours. Ah, Linard, là, tu me tentes. Oh, que j'ai mal. Ah, c'est mon ulcère qui... Bientôt prêt pour le briefing. M'aidez pas, hein, surtout. Ces types n'ont pas compris qui nous sommes. Cette tache sur la porte est géniale. Vraiment. Non, mais elle regarde la porte. Regarde-moi ça. Regarde la porte de près. La fenêtre est plus haut, selfie. Enfin, avec un nom pareil, tu m'étonnes. L'intelligence est pas au top, hein. Salut. Notre princesse est dans le compartiment un peu plus loin. Quoi, tu vas aller réveiller la princesse? T'as du courage, toi. J'adore me faire bercer par le train, ça me détend. Putain, c'est des résistants, hein. Merde, je voulais pas faire le tuto. En tout cas, je suis niveau 11 du CID, là. Oui, oui, je vais aller voir la princesse. T'en fais pas, Sophie, mais j'explore un peu. Et je sais, je suis sûr que c'est... Putain, merde. Putain, la manette qui s'est déco. Ah, mais... Bordel de merde. Configuration, manette, vas-y. Aucun contrôleur, blablabla. Et ça marche plus. Youpi, allez, on redémarre l'émulateur. On fait une save et on redémarre l'émulateur. Parce qu'on a encore du live à finir quand même. Oh. Quel professionnalisme dans ces vidéos, je vous le dis, moi. Tac. Configuration, manette. Tac. Non, ça marche toujours pas. Ok, trop bien. Putain, mais tu vas me la reconnaître, ma manette, oui? Je vais pas jouer au clavier, hein. C'est hors de question, ça se fait pas. Putain, mais... Il veut pas reconnaître ma manette. C'est hallucinant, ça. Dégage. Allez, enable vibration testing. Ça y est, elle est connectée. Configuration. Manette. Il reconnaît pas ma manette. Genre, tu as déconnecté une fois ta manette, c'est foutu! Putain d'émulateur de merde! Left. Down right, non, putain. Mais, putain, mais... Rien! T'es chier! Je vais pas me taper ce jeu au clavier, hein. Jouer à la PlayStation au clavier, c'est de la barbarie, hein. Je sais même pas comment je sors de ce menu de merde! Attendez, non, ça me... Je peux pas jouer sans la manette. Impossible. Je ne peux pas faire ça. Hein. Donc du coup, driver manager, hein, tu vas me recharger la manette. Voilà. L'autre driver, vas-y. Et non, pas la magie du montage. Hein, rien à foutre. Voilà, c'est bon. Le driver est là. Enable, vibration testing. Voilà, PSX fin, voilà, pouf. Merde, j'ai ouvert la page YouTube de Linard. C'était pas voulu, ça. Pourquoi pas, après tout. Alors, configuration. Manette. Non. Non. Et puis même en fermant l'émulateur et en le remettant... C'est bon, là? Tu vas me la détecter, ma manette, bordel de chiasse? Ah bah non, il veut pas, hein. Ah si! Ah tiens, il a décidé tout d'un coup, cool. Bon, super, on va pouvoir finir les 5 dernières minutes de live. Trop bien. Voilà, Linard. Hein, super, on l'a en grand, là. Voilà. Voilà la princesse, youpi.
Bonjour, t'es la fille avec qui j'ai dansé, hein? Ça alors, tu es... Mais oui, le garçon du bal. Je le savais. Alors, ça veut dire que tu fais partie du CID? En général, à la BGU, c'est ce qu'on trouve, hein? Oui, nous sommes 3 membres, je m'appelle Nasband. Génial, le CID est venu nous porter secours. Oui, calme-toi. Ouah, ça te fait de l'effet. Oh, je suis tellement heureuse, ça fait des mois que je demande de l'aide à la BGU. J'ai bien fait de m'adresser directement à CID. Oh, c'était donc ça. C'est pour lui parler que tu m'as lâchement abandonné. C'est pas à peine de ramener tes sentiments sur le tapis, Nasband. Tu connais Cypher? Malheureusement. Ah, et bien c'est lui qui m'a présenté à CID. CID est vraiment adorable. Au début, je ne pensais pas que le CID aiderait un petit groupe de résistants. Mais finalement, ton proviseur a été très sensible à notre cause. Bah, va bouffer à la vie. Avec vous, on va vraiment pouvoir avancer. Putain, mais vous avez vu la chambre qu'elle se tape dans un train, quoi? Je veux voyager comme ça, moi. Ok. Bonjour. Oui. Ah, son nom, c'est Linoa, donc. Je vais aller retrouver les autres. Ok, allons-y. Tu pourrais me dire ton nom officiellement, que je sois sûr que c'est vraiment ça. Et lui, il est là? Lui? Cypher. Non, il fait pas partie du CID. Il a lamentablement foiré son examen comme une grosse merde. Vraiment. Oh. Ah, dommage, hein. Ah oui, je m'appelle. Ah! Mais Alaï, t'as pas le droit de manger la nuit? Même si tu fais le ramadan? Normalement, c'est ça, hein? Enfin, je suis pas très au courant de tout ça, mais t'as pas le droit de bouffer la nuit, normalement? Avec le ramadan? Ah, merde! Bon, bah d'accord, je renommerai le suivant Linard. Comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? Bah allez, on va rester soft. Hein? Et on va l'appeler un nom que j'aime bien. Mais je pense pas que ça... Voilà, c'est un nom que j'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi j'aime bien ce nom. Alex. Mais Alex, c'est le diminutif de Alexandra, hein, donc voilà. Chez moi, c'est pas encore la nuit. Ah bah, bonne chance, Alaï. J'arriverai pas à faire le ramadan, moi. Oh putain, j'ai des Marocains qui me regardent, c'est cool. Mon influence s'étend sur le monde, moi. Enchanté de faire ta connaissance, Nasband. Alex, diminutif d'Alexandra, hein, si jamais. J'aime bien ce nom, je sais pas pourquoi. Les Sith sont d'excellents danseurs, n'est-ce pas? Cela fait partie de notre formation. Approcher la cible à son insu, puis l'achever sur la piste de danse. Oh mon dieu, il a de l'humour en plus. C'est une technique qui a fait ses preuves. Oh, c'était juste une manœuvre militaire, alors. Je pensais que c'était plus sérieux, entre nous. Plus sérieux? Je vais vous présenter. Voici l'amour de ma vie, elle s'appelle... Je suis obligé. Je suis obligé. Il m'a menacé de pas le faire, donc je suis obligé. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce sera Linard 2, le retour. C'est une femelle en plus. Eh ben, Linard 2 est vraiment très futé, tu vas voir. La limite break de Alex utilise son chien Linard 2. Les sortilèges de Linard 2 sont affichés dans le menu situation. Les tours disponibles sont visibles dans le quatrième menu. L'indicateur rouge montre les connaissances magiques du chien. Regardez, il remue la queue quand on regarde sa tête. Oh mon dieu. Quand l'indicateur est plein, Linard 2 possède ce sortilège. Si la jauge n'est pas pleine, ce serait inutilisable.
Ah, mais il cartonne ce clébard, l'attaque ultime est juste monstrueuse, je sais pas. Pour apprendre un nouveau sortilège, sélectionnez un sort et appuyez sur croix. L'apprentissage est progressif et automatique. Si vous sélectionnez un tour déjà appris, un message d'erreur apparaîtra. Pas d'apprentissage, ok. Enseignez régulièrement des sorts à Linard 2. Vous pouvez apprendre de nouveaux sorts en lisant le journal L'Ami des Bêtes. Tu joueras à Metal Gear Solid 1? Oui, c'est prévu. Ça fait très longtemps que je veux faire Metal Gear. J'avais même commencé une série de vidéos et c'était vieux parce que j'avais encore mon vieux micro-casque. Mais je sais pas pourquoi je les ai jamais complétés. Hein. Ah oui, c'est là où il y a eu des énormes couilles dans ma vie. Hein, des énormes problèmes. Ce qui fait que j'ai pas eu la motivation de continuer Metal Gear. Mais c'est prévu, je vais le faire parce que je connais ce jeu par cœur et que je l'adore. Après votre lecture du magazine, accédez à l'écran des sortilèges et sélectionnez nouveau sort. Ok. Bonne chance dans l'utilisation de ce Limitbreak. Elle est incroyable, non? Je dois te laisser Linard. Je dois te laisser Linard. Ne fais pas de bêtises, hein. Ok, je te rejoins là-bas. Ok. Bon alors. Oh, Linard 2. T'en fais pas, je vais te caresser la queue et tout ira mieux. Regardez, regardez-le remuer du cul. Attends. Ah, tu peux faire bugger avec le bouton turbo, sérieux? Les chiens, dans tous les FF, tu peux les faire bugger avec le bouton turbo, hein? Sérieux? Regardez le chien, il a une crise d'épilepsie, là, le pauvre! Regardez-moi ça, elle tremble! Vite! Donnez-lui des médicaments! Un urgentiste, s'il vous plaît! Sors, il re-rentre dans la chambre, si je me rappelle bien, tu peux loot un truc utile. Ok. Alors attends, je suppose qu'il faut charger ailleurs. Elle twerk, totalement. Et puis après on va s'arrêter là quand même les gens. Hein. Ah bah les deux faces maintenant. Putain, j'adore ça, je pourrais faire ça tout le live moi, hein, pas de soucis. Putain. Allez. Loot un truc utile, mais y'a rien à looter. Si la chienne voulait bien se dégager de là, je suis sûr que c'est là-bas le loot. Attends, il faut peut-être que juste que je sorte et que je fasse pas l'écran de chargement. Mais là je m'entends pas, tu vas me faire crever. À quand la suite? Alors ça je sais pas encore, hein. J'ai encore Dreadout à finir, et d'ailleurs probablement que demain ce sera du Dreadout. Enfin, on verra bien. Donc voilà les gens, on va s'arrêter là, on va faire une safe state avant de déclencher une autre cinématique. Donc voilà les gens, cette vidéo vous a plu, pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et la mettre en favori, ça me ferait énormément plaisir. Merci de me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, allez bye. Super, on a rien d'autre à foutre dans notre école, donc on fait une chasse au trésor du monde de l'occulte. Putain, déchiré, il reste la photo. Waouh, puis je peux regarder dans tous les sens. Voilà, ça sert à rien. Ils ont vraiment essayé d'exploiter les capacités d'un téléphone Android, mais des fois ça rend un peu ridicule. J'ai toujours mon passe-partout qui fonctionne. Ah, mais c'est génial! Ah ouais. Ok.